Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que si vous avez vu le titre de la vidéo, vous vous doutez un peu de mon état d'esprit, on va dire, au moment où je la tourne. Je ne pensais pas, après bientôt 9 ans sur cette chaîne, à devoir faire cette vidéo, surtout que ça fait plus de 10 ans, je pense, que l'ASMR est mondialement connu, que il y a cette vidéo qui explique ce que c'est et à quoi ça sert ou dans quel but on regarde les vidéos ASMR. Donc devoir faire cette vidéo que je n'ai jamais dû faire même au début de ma chaîne, là maintenant à bientôt 9 ans d'existence et plus de 1000 vidéos postées, ça me frustre un peu, on va dire. Bien évidemment, cette vidéo ne pointe pas une personne en particulier du doigt, on s'entend. Et si vous ne vous sentez pas concerné par cette vidéo, ne la regardez même pas, voilà. Comme vous avez vu dans le titre, j'aimerais aujourd'hui vous déclarer officiellement que je ne fais pas de l'ASMR. Je répète pour ceux du fond là qui étaient déconcentrés, je ne fais pas de l'ASMR. On ne peut pas faire de l'ASMR. Voilà. Je suis une chaîne qui propose des vidéos avec des déclencheurs qui peuvent titiller ou activer cette ASMR en vous. Est-ce que pour l'instant déjà c'est clair? Vous inquiétez pas, j'ai des définitions scientifiques parce que depuis quelques temps, il y a ce truc qui m'agace, c'est que quand je fais des vidéos en soft spoken, donc je n'utilise pas ma voix normale, même là j'utilise ma voix normale, là je n'utilise pas ma voix normale, là je chuchote, soft spoken, parler normalement, soft spoken, chuchotement. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon? De toute façon, si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram principalement, quand je vous poste des stories où je parle normalement, il y a quand même une différence entre mon chuchotement, mon soft spoken et ma voix normale. Déjà, remettons ça, ok, contexte, d'accord? Donc quand j'utilise du soft spoken, je me prends tout le temps dans la tronche, alors soit c'est dommage, c'est pas du chuchotement, c'est pas de l'ASMR, pourquoi mettre ASMR dans ton titre si c'est pas de l'ASMR? Non, on est d'accord, le soft spoken n'est pas de l'ASMR. Voilà, le chuchotement n'est pas de l'ASMR, le tapping n'est pas de l'ASMR, l'inaudible n'est pas de l'ASMR, ce n'est pas de l'ASMR. L'ASMR, c'est une sensation dans le corps. Je ne suis pas Dieu, je ne peux pas créer une sensation. D'accord, c'est une sensation qui existe déjà, qui est reliée à un nerf qui existe déjà dans le corps humain. La seule chose que j'essaye de faire, que j'essaye de créer quand je vous filme des vidéos, c'est de recréer quelque chose qui, pour vous, va titiller ce nerf et vous apporter ce sentiment de relaxation. Voilà, et pour ceux qui sont encore un peu confus ou qui pensent avoir la science infuse, n'est-ce pas? Parce que apparemment je ne fais pas de l'ASMR, nous sommes bien d'accord, mais quand je dis à ces personnes en commentaire, s'il vous plaît, décrivez-moi ce qu'est l'ASMR, expliquez-moi, vu qu'apparemment après 9 ans je ne sais pas ce qu'est l'ASMR, bizarrement ça répond plus aux commentaires. Lol. Donc, oula, le mute c'est un peu fort. J'ai mon fidèle compagnon ici, et nous allons lire ensemble la définition de l'ASMR, et peut-être, qu'on me fichera la paix et qu'on me laissera faire ce que je veux. Parce que y a des personnes qui ressentent cette sensation de bien-être avec du soft spoken, avec du chuchotement, avec du tapping, avec simplement des mouvements de main. Je sais que c'est un peu controversé, mais tout ce qui est mukbang, bruit de mastication, autant je pense qu'une grande majorité n'est pas fan de ce genre de vidéos, autant ça détend d'autres personnes. Mes vlogs, qui ne sont pas spécialement ASMR, je chuchote des images du quotidien, donc c'est pas forcément travailler pour que visuellement ça vous relaxe, c'est le fait que je chuchote en voix off les actions que je fais qui vous détendent. Donc la preuve que on peut faire de l'ASMR avec tout finalement,
partir du moment où en fait la vidéo qu'on publie trouve son public qui va se sentir détendu par ce qu'il voit ou qu'il entend. Bref, définition si vous le voulez bien. L'ASMR, acronyme anglophone signifiant réponse, c'est une réponse donc, sensorielle autonome culminante, est une sensation particulière, agréable ou désagréable, voilà, ou désagréable, de picotement ou frisson au niveau du crâne, du cuir chevelu ou des zones périphériques du corps, parfois jusqu'aux extrémités, en réponse à un stimuli tactile. On va s'arrêter là. La technologie de nos jours ne me permet pas, quand je fais ça devant ma caméra, que vous ressentiez mes doigts vous toucher. Du coup, c'est bien ce que je dis, je ne fais pas de l'ASMR. Puisque l'ASMR peut être, cette sensation peut être stimulée par le tact, le toucher. Par exemple, quand on vous fait des papouilles, la réponse, la sensation de bien-être que vous ressentez, c'est de l'ASMR. Je ne peux pas faire ça à travers mes vidéos, donc je ne fais pas de l'ASMR. N'est-ce pas? Ces petits objets qu'on met sur le crâne, vous savez, avec plein de picots, que moi je n'aime pas du tout, hein, c'est une sensation que je n'aime pas, c'est de l'ASMR. Ça déclenche cette sensation de votre nerf en fait. Donc je ne fais pas de l'ASMR, je ne peux pas faire de l'ASMR. Je ne peux pas faire de l'ASMR, je ne peux pas toucher votre nerf pour vous détendre, je ne peux pas. Le stimuli tactile, qui pour le coup est manquant dans toutes les vidéos que vous voyez, parce que personne ne peut vous toucher à travers la caméra, peut vous déclencher cette réponse sensorielle. Un stimuli visuel, on y est. Un stimuli auditif, coucou c'est moi, on y est. Olfactif, pareil, et croyez-moi, je pense que c'est le truc qui me gêne le plus, c'est que quand je sens quelque chose et je vous dis ça sent bon, vous pouvez pas le sentir, c'est très frustrant, croyez-moi. Et un stimuli, attendez, c'est cognitif, pareil, un peu compliqué à travers la caméra. Quand le phénomène est intense, il peut être psychologiquement mesuré par la réponse galvanique de la peau, c'est-à-dire les petits poils qui se dressent. Donc ça, c'est, on va dire, la définition d'ensemble, ok? Donc quand vous me dites « tu ne fais pas de l'ASMR », la réponse est oui. Je ne peux pas faire de l'ASMR. Je peux vous proposer en vidéo des déclencheurs, parce que je pense que c'est devenu un peu commun, on va dire, des déclencheurs finalement, ce terme de déclencheur, des déclencheurs visuels, auditifs, parce que tactile, pas possible, olfactif, encore moins, qui, bah, potentiellement, ça dépend de votre réception à ce stimuli, à ce déclencheur, va vous faire ressentir cette sensation de bien-être. Donc effectivement, je ne fais pas d'ASMR, non, je ne fais pas d'ASMR, mais je vous propose des vidéos qui peuvent potentiellement stimuler ce nerf. Voilà. Est-ce qu'on est ok là? Est-ce que tout le monde a bien enregistré? Est-ce que ceux du fond qui débarquent inopinément sur ma chaîne sans crier gare et qui me disent « c'est pas de l'ASMR, c'est bon, vous avez compris ou il faut encore que je vous relise la définition ?» On est bon? Bah écoutez, voilà. Hein, j'ai pas grand-chose d'autre à dire à part vous dire que si je venais à vous faire des vidéos en voix normale, juste avec des mouvements lents, mais en parlant normalement, avec ma voix normale, je viens caresser la caméra, tout doucement, avec le bout de mes doigts, je viens faire du tapping, toujours en utilisant ma voix normale, la voix que j'utilise tous les jours, la voix qui me sert à parler à ma famille, la voix que j'utilise quand je dois râler parce que Bonnie manque de me faire tomber parce qu'elle court entre mes jambes. Certains d'entre vous vont me dire, ton timbre de voix ne me relaxe pas, il est peut-être trop élevé, mais d'autres personnes souvent vont dire, génial, ça a réussi à me déclencher mon truc. Si demain je mâche un chewing-gum autour de mon micro, certains d'entre vous vont dire, non, c'est pas pour moi, d'autres vont dire, oh ouais, trop bien, Nirvana. Voilà, j'avais pas prévu de faire cette vidéo, mais je remercie certains d'entre vous qui défendre mes côtes, on va dire, lorsque je reçois ce genre de commentaires.
c'est gentil, mais je ne réponds quasiment plus à ce genre de personnes. Sauf quand on dit pourquoi, pour qu'on m'accuse en fait de faire, si vous voulez, ce qu'on appelle du clickbait, c'est-à-dire de mettre ASMR dans mon titre, alors que c'est pas le cas. Oui, mais quand on connaît pas, quand on ne s'est pas renseigné sur la définition de l'ASMR et qu'on se dit chuchotement égale ASMR, forcément c'est foiré. Il s'est foiré en fait, parce que le chuchotement n'est pas de l'ASMR. L'ASMR est une sensation qui est provoquée par un stimuli tactile, visuel, auditif, olfactif, cognitif. Moi, la seule chose que je peux faire de mon côté, c'est créer des vidéos dans lesquelles il y a une ambiance, des déclencheurs, un timbre de voix qui peuvent, selon votre sensibilité, vous apporter, comme le dit la définition, ce petit guili, ce petit frisson qui part du haut du crâne et qui peut aller parfois jusqu'en bas de la colonne vertébrale ou même dans les jambes et vraiment vous détendre. Au quotidien, il m'arrive de ressentir cette sensation. L'exemple le plus probant, dans la boutique où je travaille le week-end, il y a de la musique et c'est de la musique un peu pop. Voilà, parce que c'est agréable de faire son shopping avec une petite musique pop. Et pourtant, des fois, un client va faire un mouvement alors que je suis entourée du son des passants dans la galerie, de la musique, de mes collègues qui discutent avec d'autres clients qui discutent entre eux. Mais je vois un client ou une cliente faire un mouvement et je sens cette sensation. Pourtant, le cadre auditif n'y est pas, mais c'est juste le visuel, le mouvement, le geste que cette personne a fait qui m'a déclenché ce frisson. Donc l'ASMR, c'est pas du chuchotement, c'est pas du soft spoken, c'est pas du tapping out. Pour moi, l'ASMR, au-delà d'être une sensation, c'est, sur cette chaîne du moins, les autres font ce qu'ils veulent de leur chaîne, c'est j'essaye du mieux que possible de créer un cadre, une tonalité, des sons qui sont reconnus, parce qu'au bout d'un moment, ça fait 9 ans, et je sais plus ou moins ce qui marche en général, qui vont vous aider à ressentir cette sensation, l'ASMR. Voilà. C'est beaucoup trop long pour rager, clairement. Je rage. J'avais envie de défendre mes côtes, voilà, parce que je me dis, après 9 ans sur cette chaîne, à proposer du contenu exclusivement pour vous, parce que c'est pas du contenu que je regarde, moi, je regarde pas mes vidéos, exclusivement pour vous, alors pas vous, les personnes qui sont gentilles avec moi, qui me soutiennent, qui râlent pas, mais vraiment un vous général. Je me dis, mince, même après 9 ans, le concept en fait d'ASMR est pas vraiment bien compris. On peut pas créer de l'ASMR, je peux pas créer quelque chose qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Par contre, je peux essayer de recréer des conditions qui vont stimuler ce nerf chez vous, cette sensation vraiment de frisson, de lâcher prise. Voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien quand même. Ne vous en faites pas, hein, c'est... Voilà. Moi, je m'en vais filmer une nouvelle vidéo pour le mois d'octobre. D'ailleurs, j'ai quasiment filmé toutes les vidéos pour le mois d'octobre et elles sont à 80% toutes déjà montées et en pré-publication. Donc, le mois d'octobre est assuré. J'ai trouvé des thèmes de vidéos qui sont géniaux. Donc, ça commence la semaine prochaine. Donc, soyez au rendez-vous. Sur ce, je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à très vite dans une vidéo. Vous inquiétez pas, je râlerai pas, je serai pas là, épée à la main, à défendre mes côtes. C'est promis.